Hola señores, nouvelle vidéo aujourd'hui, tour marché ou tour spinné. La grande question que se posent souvent les danseuses de salsa, avec leurs petits talons, elles ne savent pas si, quand c'est qu'on arbitre, si on fait l'un ou l'autre. Alors, déjà, faisons un focus en préambule. Bien sûr, quand il s'agit du solo, on fait ce qu'on veut. D'accord que en solo, on choisit de faire des tours marchés ou des tours spinnés. C'est juste en couple que c'est plutôt une question de choix. Ensuite, rappelons de quoi il s'agit. Un tour marché, enfin plutôt des tours marchés, hein, c'est quand le garçon vous donne une préparation de tour et que vous prenez parti de poser à chaque fois avant de sortir dans votre base arrière. Maintenant, un tour spinné, effectivement, ça arrive. Je vais faire le cas avec deux tours parce qu'ici, ça glisse pas trop. On est ici en préparation de tour et on enchaîne deux tours. Et on ressort en base arrière. Alors, comment on arbitre ça? Ben écoutez, en général, il faut comprendre un truc assez simple. Les tours marchés sont liés à la vitesse des tours. Si par exemple, la musique est lente et que je donne deux tours, du coup, et ben les deux tours vont être lents. Donc, je vais faire flop, flop. Faut pas s'attendre à ce que la danseuse fasse un super tour spinné avec si peu de continuité. Et à l'inverse, si les tours sont très rapides, on va envoyer très rapidement. Et du coup, bah, la fille progressivement, elle va poser ses appuis et certainement ça va s'accélérer. Alors évidemment que c'est lié aussi à la capacité de la danseuse à maîtriser super bien son axe. Donc là, évidemment, vous regardez les vidéos qu'on fait souvent avec Anita, dès que je lui donne plein de tours, vous voyez des filles qui vont, hop, elles collent les deux adducteurs, les chevilles, bref, il n'y a plus d'air là-dedans. Et puis, elles tournent et elles ressortent en bas arrière, clac, 5, 6, 7 quand il s'agit du on-two, ou alors tout simplement 7 et bas arrière sur le 1 quand on est en on-one. Maintenant, autre point intéressant dans la notion des tours, c'est que le garçon dans son guidage peut prendre le parti de soit ralentir la vitesse des tours, soit de l'accélérer. Et ça, c'est super intéressant. En gros, le garçon met à chaque fois son impulsion, hop, et il la suit. Donc, il fait 1, 3, 5, 7, par exemple. Et du coup, la fille pose en réponse à ce guidage. Elle fait clac, 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 clac. Mais effectivement, si le garçon accélère sa vitesse de guidage de tour, en fait, la fille, au départ, de manière générale, elle pose ses pieds ici en termes avec une ouverture de la taille du bassin. Mais si ça s'accélère, petit à petit, elle rapproche, elle rapproche, elle rapproche jusqu'à ne former plus qu'un seul axe. Comme si elle faisait du monoski, hein, elle a une monojambe. Et donc, ce processus peut aussi s'inverser. Si le garçon va vite, il fait clac, 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 il peut redescendre la vitesse comme si on parlait d'un pitch. Et du coup, la fille va réouvrir finalement son stroboscope là d'appui avec la jambe gauche pour réguler tout ça. Voilà, et pour finir, voilà ce que je dirais également, c'est pour rappeler un petit peu le fonctionnement. L'idéal, en fait, c'est qu'il y ait une coordination tête-pied. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la danseuse tourne, eh bien, sa tête arrive avant, hop, grâce au spot, et juste une fois qu'elle a calé son spot, elle pose son appui. Elle spot, elle pose son appui. Elle spot, elle pose son appui. C'est ce qui lui permet d'ailleurs de poser toujours au même endroit. Donc, ça veut dire qu'on a spot fixe, spot régulier plutôt, et bien appui régulier au même endroit. Ce qui permet du coup une fluidité quand on donne des tours, et c'est pour ça que vous avez des filles qui tournent superbement bien. Voilà, j'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, nous, ça fait 10 ans que c'est le cas. On a toujours notre cours de technique de tour tous les jeudis soirs à 20h30. Donc, je sais pas, mais ce serait bien de faire un tour. Hasta luego, señores.